Si je fais un loyer, ça l'aidera pour l'hypothèque. Et t'as accepté? Qu'est-ce que tu en dis? On pourra survivre à la vie à deux. Oui, je crois qu'on pourra sûrement survivre à ça. Mais tu ne paieras pas de loyer. C'est ça l'objectif? Non, j'ai dit que je trouverai de l'argent et je le trouverai. Marc, ne fais pas l'idiot ni le mec. On est arrivé à l'aéroport, ils ont annoncé notre vol. Et là, je me suis rendu compte que c'était au-dessus de mes forces. Alors tout à coup, on a eu une scène incroyable dans la salle d'attente de l'aéroport. Ma mère s'est mise à crier, moi aussi. Pendant ce temps-là, mon père cherchait un endroit où se cacher. Finalement, je me suis enfuie. Ça, c'est classique. C'est vrai, j'ai plus de maison. Je campe dans le sous-sol de mon petit ami. Il y a d'autres femmes qui frappent à la porte et un ado de 14 ans qui fantasme sur mon soutien-gorge. En fin de compte, que peut-on espérer de plus? Où en étions-nous? À notre dîner romantique, chérie. Fellini, deux films.